Voilà, moi je suis Arda Balière, donc premier suppléant sur la liste du Front des Gauches à Bruxelles. Le Front des Gauches, c'est une initiative qui rassemble plein de petites organisations et aussi quelques partis qui sont déjà assez longtemps actifs de la gauche radicale et qui essaient de construire une alternative à la politique traditionnelle en regroupant des militants de base. Combien de partis il y a le... Il y a 6 organisations et partis, donc il y a le Parti communiste, la Ligue communiste révolutionnaire, le Parti socialiste, le Comité pour l'autre politique, le Parti humaniste et Vélorussion. Donc ils sont tous mis ensemble cette fois-ci pour créer vraiment une autre gauche rassurée de soi, qui n'a pas peur de parler de la réalité des choses, c'est-à-dire que l'austérité qui nous est imposée est vraiment la plus grande arnaque jamais essayée. On a l'impression que les gens ne s'intéressent pas beaucoup à la politique pendant cette campagne. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi je dirais même que même les partis politiques n'ont pas l'air de s'intéresser beaucoup à la campagne politique. Donc c'est peut-être que j'ai une campagne très laide, très tiède, comme si, cette crise qui n'intéresse pas 95% des Belges du BHP a forcé des élections. Nous, on participe quelque part, c'est bien, mais en même temps... Vous n'avez pas envie de participer? Si, on a envie de participer, mais comment les conditions ont été imposées aux petits partis pour participer? On a 4 semaines pour se présenter, pour faire notre travail chez les électeurs, c'est pas sérieux, quoi. Moi, je veux dire, moi, je suis pas d'accord. Mais on est quand même là, on a besoin de 23 000 voix à Bruxelles, Halle et Villeurbanne pour avoir un élu. Vous y espérez? Vous espérez cet élu? Bien sûr, l'espoir est toujours là, parce que si on espère plus, c'est fini. Donc oui, mais il faut quand même, on constate qu'il y a... Et comment vous faites campagne concrètement? Dans la rue avec les gens, dans les médias, par internet, on fait des films, on participe beaucoup à des débats, on essaie d'aller rencontrer des gens dans la rue avec le programme des partis, etc. Mais bon voilà, donc déjà, cette histoire coûte beaucoup d'énergie et nous n'avons pas les appuis médiatiques vraiment pour se consolider dans la conscience des gens dans un si court délai. Et donc il y a beaucoup de travail qui est fait, mais malheureusement le délai est très court pour rester dans l'esprit des gens. Et comment ça se passe la coordination entre 6 partis? Est-ce qu'il y a des réunions hebdomadaires? Est-ce que... Non, mais il y a des réunions déjà sur le plan national, donc il y a une planification nationale qui est faite, mais dans toutes les régions, tous les gens de tous les mouvements se mettent ensemble aussi pour essayer de mettre en place cette campagne et d'utiliser les forces qu'il y a de façon assez... Parce que je nous dis des volontaires, et après les politiciens pour les élections, se battent avec des gens qui travaillent. Qui travaillent, voilà. Donc...